Bien le bonjour à tous et à toutes, et on est reparti pour un deuxième tour, le deuxième tour déjà, on peut dire, du deuxième match, du deuxième tour, enfin bref, je me comprends plus. Salut Crane, comment ça va? Salut tout le monde, ça va? Bon, ça va, ça va. Donc pour ce match, on a Face Lunatic contre Geekil006, et aujourd'hui ça va faire un très beau match car je crois que Face Lunatic s'était battu contre Mikaelo C'est et ça. qui avait gagné son match tranquillement mais sûrement, et Geekil aussi avait gagné son match Contre Snake. contre Snake. Voilà, merci Crane. Et je pense que ça va faire un très beau match en sachant qu'on est sur la carte terminale en mêlée générale toujours. En sachant que c'est nous qui avons créé les classes aujourd'hui. Alors je te laisse dire un petit peu ce qu'il y a comme arme. Alors, on va tout en même temps commencer la partie. C'est une MP9, une PM9, pardon, à chaque fois je confonds, avec tir rapide. Et c'est un peu une classe bidon, parce que on voulait bien rigoler aujourd'hui. Voilà, on voulait vraiment rigoler et faire un truc assez spécial. Et justement, pour cette classe, on voulait vraiment faire un truc bidon complètement. Et c'est bien pour ça. Alors moi, je suis lunatique, c'est ça, hein, et toi, Ça. tu vas suivre Il Gil. Allez, c'est parti, on va voir comment ils vont se débrouiller. Allez. Je pense que ça va être un très bon match, en tout cas mes pronostics. Moi je pense que Face est un très très bon joueur parce que je le connais sous le pseudo de Danny Dan, et c'est un très bon joueur. Et voilà. Et 1-1 partout. Bon. Je pense qu'ils ont dû être surpris quand même en voyant les classes. C'est quoi cette classe? En plus j'ai mis rapport avec la bêtise. Face Lunatic, il a voulu tirer genre peut-être une grenade, ou alors il a peut-être remarqué que c'était une bêtise et il a dû être surpris quand même. Ah mince, une bêtise. Et le pire c'est que bon, on a rappeur pro donc forcément ça va se voir tout de suite. Tire à travers l'avion. Tire! C'est ce qu'on appelle une classe qui sert à rien. Alors par contre, Crane, fais gaffe au son de ta télé parce que je crois que je l'entends déjà. Attends, je vais le baisser. Oh là là, c'est bien joué. Bien joué, mais t'aurais pas dû descendre. Alors c'est vrai que c'est assez spécial comme classe, ça. Une PM9, tir rapide. Une grenade UM. Ouais. Oh, il aime Oh. par la bêtise, la rapport, il la voyait et tout. Bah oui. Il a bouclier anti-explosion, donc forcément, il s'en fout un peu, quoi. Il est mort, hein, avec la bêtise. Ah oui, il est mort. Et oui qu'il est mort. Je croyais que ça l'avait touché seulement. D'accord. Et en plus, il a les grenades UM pour les faire péter, les clébards. Ah, c'est pas mal quand même. Allez, il nous en fera pas d'autres, notre Guigui là. Le pauvre. Ouais. Oh, il est grillé, il est grillé. Ouais. Il est grillé. Oh. Il est grillé, sauf qu'il est parti trop loin, je crois. Ah non, 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 non! Je l'ai vu pour ma face! Tu t'es tourné trop rapidement! Oh! Face! Fais gaffe à toi, voilà. Bon, c'est vrai. Il s'est flashé tout seul. Enfin, il s'est pas flashé parce qu'il s'est. Grenadier Ouais. UV. Ah oui, c'est vrai qu'on a mis les grenades IM. C'est pas mal du tout, ça. Non, mais c'est bien en plus ce truc, hein. Moi j'y joue des fois en hardcore avec. Hein. Ouais. Faire tes péter avec les morts et tout. Il nous a posé une bêtise. Et ça peut péter les. Comment ça s'appelle là? Tu sais, les gros trucs, les bombes qui volent dans le ciel, je sais pas quoi Ah, les là. missiles prédateurs? Non, non, non,
Comment ça s'appelle? Je m'appelle le plus. Le truc que tu débloques à 4 là. Tu sais, ça fait des grosses boules, et que ça te jette dessus, tu sais. Putain, c'est quoi déjà? Ah, je ne sais pas. Oh là 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 là, putain. Attends, je vais chercher sur l'ordi. Alors. Alors, nous entendons crâne overdose. Taper sur son clavier tranquillement. Là, ils ont vu les désertigues à la Kimbo. Voilà. Oula, c'est quoi ça? Alors. Alors, face le lance parce qu'il sait que si ça touche quelqu'un, il saura où ce qu'il est. Il s'est fait tuer. Attention. Oh, il le savait qu'il était par là. Il le savait. Attends, je le trouve même pas ce truc. Et si on regarde un petit peu les scores, du 9-6 pour Face. C'est pas mal. Wow. Oh. Ah voilà. C'est l'IMS. Ah oui, l'IMS, d'accord, ok, ok. Tu balances une grenade UM, t'as les IMS, les tourelles, tu vois, voilà. D'accord, d'accord. Ok, ok. Bon, y'a combien 10-6. Ouais, un petit 10-6. Si t'avais mis d'ACR, ça aurait été pas pareil. Ah oui, c'est vrai. Alors. Alors. Bon, c'est qui va commenter à notre place qu'on va jouer, nous? Eh bien, je pense que... Enfin, je l'espère qu'ils seront là, parce que là, oui, on est eu... Faut quand même vous dire, je vais être franc avec vous. On a eu des problèmes avec Zit, car il ne s'est pas co du tout du week-end, alors qu'il aurait dû faire les vidéos finalement, parce que c'est pas à toi de les faire, hein, crâne. Normalement, c'est à lui de les faire, et forcément, il était pas là, donc du coup, voilà. J'ai envie de dire que bon, bah. En espérant que normalement c'est lui et Abou, je pense qu'il n'y aurait aucun souci. Faut juste lui dire quand, et normalement c'est bon. Par contre, Zit, j'ai pas trop aimé qu'il me pose un lapin. Donc voilà, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Il va des bêtises partout. Voyons. Oh, ils l'ont eu. Hein. Hop là, ça c'est joliment fait. 12-7. Eh oui. Wow. Bien joué, Guigil. On est... Ouais, 12-8. Bon, c'est rattrapable encore, hein. On n'est pas encore à la moitié tout à fait, hein. Enfin, pour Face. Mais bon, il faut... Oh! J'ai... Tout est toujours rattrapable. Ouais. Alors, Face est puni, il reste au coin. Hey, un camper en gros. Face... Non, il était dans le coin et face au mur. Ah, ok. Ouais. Alors, même s'il voulait camper, il était dans la mauvaise direction. Non, il était au coin, tu sais, à genoux, au coin, tu sais. Non, je plaisante. Non, il était juste dans le coin. Est-ce que. J'ai l'impression que Face... Voilà.
Le face. Face, je sais pas, il campe à moitié, j'ai envie de dire. Ou alors il était en train de faire un truc. Il campe où? À mon avis, il était en train de faire un truc, il s'est dit, oh là là, j'ai oublié de faire ça. J'en sais rien, mais. Il était dans l'avion, il campait dans l'avion, dans les sièges de l'avion. Ah ouais, j'ai fait. j'ai tourné, j'ai regardé. Ah! Oh, un petit lag sur Guillet. Oh, un petit lag sur Face aussi. On va dire que c'est un peu Mako en ce moment qui est merdique à cause de Free. Merci Free. Pour ceux-là qui connaissent un opérateur mieux. SFR. SFR? D'accord. C'est pas le diabète, j'ai pas le diabète. Bon. Bah en fait, bah c'est pas à cause... enfin si, c'est à cause de Free parce que leur compteur, enfin je sais pas leur truc, il a sauté et du coup j'ai une co complètement pourrie aujourd'hui. Je l'ai vu, j'ai vu Guigui, il est dans l'avion, il est dans l'avion. Qui est dans l'avion? Guigui, il était dans l'avion. Il était, mais il est plus. Oui, il était, il y est plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, Fade, il joue pas. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il l'a même pas vu, Guigui, mais c'est n'importe quoi. Mais faut pas abuser, tu le vois, le mec. Ah putain, ça, ça me déçoit. Ah oui. Et Face a un problème, il reste stagné, je sais pas pourquoi. Il s'est dit, tiens, je vais rester là. Sa mère a dû l'appeler, je sais pas. Oh, sûrement. Ah non, ça y est, il a repris. Ah. Étonné de pas être mort. Oh, je suis encore là. Ouf. À mon avis, il doit faire un truc et il peut pas. Je sais pas. Tant pis, s'il perd. Eh oui, malheureusement. Alors attention, il y a Guigui qui a... On entend les pas de... Il passe encore devant. Ah, mais il s'est arrêté encore. Ah, il s'est arrêté en plus. Il va repasser devant, il va toujours pas le voir. Bah peut-être, hein. Ouais. C'est tout le tour de la map, là. Il comprend pas ce qui se passe. Ah, Face a lancé une bêtise devant lui. Ah ouais. Et là, il tourne en rond. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il s'amuse avec sa manette. Ou alors, il va attendre que Guigui le rattrape. Parce qu'on a... Ah, on est à 13-11, il faudrait qu'il... Qui joue un peu, ouais, qui joue un peu plus. Ah, il arrive. Ah non, il fait tout. Ah non, il arrive peut-être. Ouais, parce que il devrait voir la Betty normalement. Et Boubi va péter avec. Ah, ça y est, il l'a eu. Oh. Ouais, en fait, c'est sûr et certain. Il ne joue pas. Et bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Mais bon, c'est comme ça la vie, j'ai envie de dire. Ouais, il joue pas là. Oh, désolé, mon portable qui sonne, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Mais que se passe-t-il? Bon. On va peut-être attendre comme ça 2 heures, je sais pas, on verra. Ah, mais il rejoue, FaZe. Ouais, ouais, il rejoue. Alors, on se demande... Égalité. Ouais, égalité. Ouais, ouais, égalité parfaite. Ben, quand tu verras une égalité imparfaite, tu m'appelleras. Si l'égalité, ça sera toujours 12-12, 13-13. Boum, il pète à la Betty, elle n'en même pas. Alors, allez, allez, Face.
Tu rattrapes un peu ton retard, hein, finalement. Ah, Guigui, il peut gagner, hein. Ouais, Guigui, il peut gagner largement. Hein. Ouais, c'est un bon joueur, hein, quand même. Faut pas croire. On fait que c'était sur le toit. Ah, mais elle est pas mal, ma classe, que j'ai faite. Ouais. Alors, je viens de recevoir un message en me disant que Face Lunatic avait un problème avec sa télé et ne pouvait plus rien faire. Donc, mais c'est pas bien grave. Parce qu'il a repris. Et bon, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour sa victoire, apparemment. Ouais. Enfin, pour l'instant. Voilà. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Moi aussi, ma télé, je t'avoue, moi aussi, des moments, ma télé, il y a des connes de temps en temps, il a fait des gros bruits. Sérieux? Ouais, non, mais je te jure, je sais même pas ce qui lui arrive, il y a des moments. Oh! Et tu l'as reçu de qui le message que ça de la part de Daninan? Bah, c'est lui-même qui m'a appelé. Enfin, ah, okay. L'appel c'était de lui. Ah ok. Oh, raté, la bêtise, raté. Il a voulu la placer par les fenêtres, je sais pas, mais c'est raté. Je crois qu'à chaque fois il oublie que c'est une bêtise. Ah, mais, tu sais, je m'étais fait une classe avec une clé mort, alors que je l'utilise jamais. J'utilise jamais de ça. Et d'un seul coup, à chaque fois, je prends cette classe là. Et tu la jettes la clé mort. Je commence à vouloir jeter une grenade, et là, tu vois le truc qui se pose. Boum. Ouais. Oh merde, le con. Et là, t'as une personne qui arrive au moment que t'as ta claire mort dans tes mains. Et là, t'as un mec qui te tire dessus. Et là, t'es mort. Boum. Et t'as tout compris. Alors, du coup, je crois que je vais enlever cette classe-là parce que ça me saoule un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. On est combien? J'ai eu un méchant bug quand même. Ouais. On va dire. Une téléportation. Ouais. On est à 20-17. Ouais, ça pourrait être sympa là pour les quarts de finale. On a quand même pas beaucoup de blagues. Hein. Oh, dommage. C'est bien dommage. Oh, Guigil. Ah putain d'ordi de merde. Hein. Guigil qui suit Space. Ouais, Face. C'est pas normal ça, tout ça. Hein. Ah ouais, 20-19. Bon, Guigil est mort, je te le dis direct. S'il arrive à... Voilà. Et bien maintenant ça fera 21-19 et 22-19. Ouais. Comme quoi. On a des petits lags quand même. Hein. Pas méchant, on a des petits lags. Ouais, ça se remettra bien quand ils auront fini de tout traficoter. Oui, exactement. Hop. Il se cherche. Alors, quel va être le vainqueur ?
pour les demi-finales. Quart de finale plutôt. Non, là c'est les... là c'est les quarts de finale, mais après ça sera les demi-finales. Attends, le suspense. Attention, suspense. Vu que tout à l'heure, comment il s'appelle, c'était Sim Ronaldo qui a gagné. Ouais, exactement. Ça sera Sim Ronaldo contre Gigi Lufay. Ouais, exactement. Alors, je tiens à dire, parce que je n'ai pas informé tout ce beau monde, vous avez dû être étonné que le match ait dû se finir assez court, enfin le premier tour. Eh bien, oui, forcément, parce que, comme vous pouvez le savoir tous, Call of Duty Black Ops 2 va très 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 bientôt sortir. Et comme la plupart d'entre vous, pour ceux-là qui n'ont pas beaucoup les moyens forcément, vont revendre MW3 pour s'acheter Black Ops PS2. Non, je parle pas de toi, Crane. Ouais, je sais que toi, t'es un gros Call of Man. Mais beaucoup même de la team vont le faire. Et forcément, pour le tournoi, on est obligé de finir avant la sortie de Black Ops 2. Et c'est pourquoi que j'ai accéléré un petit peu toutes les choses et on essaye de faire un petit peu toutes les vidéos suite par suite. Et il faut savoir que Guigui s'est pris la bêtise au passage. Il faut savoir que il devait rester deux matchs avant de finir le premier tour et du coup on a eu un petit souci, c'est que personne s'est ramené au bon moment, enfin, il a fallu. Donc du coup j'ai décidé de repêcher une personne qui avait perdu le premier tour parce que eux ont été toujours là, je pense, et que ça a été superbe, enfin ils ont été superbes d'être là à chaque fois qu'on avait besoin d'eux. Tout comme toi, Crane, je pense que t'es toujours là quand on a besoin. Donc, je pense que... Voilà. Ah, voilà. Oui, voilà. Face vient de gagner 10 points de différence. Bon, c'est pas... aussi pire que toi, mais ça va. C'est pas sûr. Mal. Voilà, que... où j'en étais, moi. Oui, donc... voilà, donc par rapport aux autres qui ont toujours été là, ça a été superbe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des gens qui voilà qui ont toujours été là. Donc du coup, j'ai refait un repêchage. J'ai voulu faire un mêlée général dans les perdants, regrouper tous ensemble. Et du coup, il y en a... pareil, qu'un seul qui s'est ramené, parce que je l'ai dit que très tardivement, mais il a été le seul à avoir répondu, enfin, ils ont été deux, mais malheureusement, Anto Killer a été le seul, donc c'est lui-même qui va aller directement en demi-finale. Donc, on va pouvoir retrouver Anto Killer en demi-finale. Tout simplement pour pas avoir de problème pour les autres matchs. Donc du coup, voilà. Alors ne soyez pas surpris. Donc il a perdu contre Zit, mais il a été repêché. Voilà. Pour le petit truc. Et en tout cas, bravo les gars, Gigil et à Face du match. C'était un beau petit match, assez rigolo, parce que finalement avec une classe assez spéciale, il faut dire, hein, que t'as choisi, Crane, qui sert complètement à rien, mais ça a été pas mal du tout. des petits trucs à dire, Crane, pour les abonnés, pour ceux qui nous regardent, comme d'habitude. Eh ben pour la demi-finale, ça sera Sim Ronaldo contre FaZe Lunatic 13. Exactement, voilà. Et pour ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Motino 5-5 contre Crane Overdose. Voilà. J'ai bien fait avec la voix. Ouais. Ouais. Bon, ça devrait le faire. Bon, bah... mets ta ceinture, Crane, ça va faire mal avec moi. Bon, allez. Ouais. Bonne soirée à tous, ciao, bye. Et ciao tout le monde.